la gitane. Vous êtes-vous déjà demandé l'effet que ça vous ferait si vous saviez ce que l'avenir vous réserve? Moi, j'y pense très souvent. Certaines personnes prétendent qu'elles peuvent prédire l'avenir. Personnellement, je ne sais pas si je dois y croire. Mais c'est amusant d'y songer. Imaginez donc un peu quel effet ça vous ferait de savoir ce qui doit vous arriver demain, la semaine prochaine ou même l'an prochain. Oui, chantons sous la boue. Oui, chantons sous la boue. La la la, la la la. Mais qu'est-ce que je vois? C'est nouveau, ça. Madame Irma, célèbre diseuse de Bonaventure Gitane, elle voit tout, elle sait tout. C'est le genre de personne qui me serait utile. Si je connaissais l'avenir, je réussirais sûrement à piéger tous les petits malins du bayou. À vrai dire, je n'ai rien à perdre. Oui, je suis venu voir Madame Irma, la célèbre diseuse de Bonaventure. Vous avez rendez-vous? Ben, non. Eh bien, Madame Irma, célèbre et voyante, gitane omniscient, diseuse de toutes les aventures, ne reçoit personne sans rendez-vous. Oh, je ne me rendais pas compte. Est-ce que je peux en prendre un? Eh bien... Pour demain, hein? Complet. Après-demain? Non. Mardi prochain? Non. Alors quand? Calmez-vous un peu, ce n'est pas une façon de m'adresser la parole. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. C'est vrai? Oh, super! Votre nom? Draduli, D majuscule... Draduli. Bon. Très bien. Entrez et attendez. Merci. Oh, bon sang, je n'arrive pas à le croire. Enfin, mon premier client. Nom d'une peau de banane. C'est drôlement chic ici. C'est du tissu fin. Oh, elle en a des accessoires. Oh, elles sont bizarres, ces cartes. Mais si sombre qu'on n'y voit rien. Oh, merci bien. Ah, c'est sûrement une vraie gitane. Oh, où est-ce que j'ai encore fichu ce turban? Oh, je n'ai pas mangé depuis un mois et ma tante prend l'eau. Oh, j'en ai vraiment assez. Dans mon cas, la bonne aventure ressemble trop souvent à une mésaventure. Oh, c'est l'heure de... vers mon entrée. Bienvenue. Qui êtes-vous? Appelle Madame Irma, suis la grande gitane du bayou. Avec ma boule de cristal, plus de la magie noire, rien que pour vous. Madame Irma, j'ai des amis partout. Madame Irma, je suis la princesse. Pour vous faire plaisir, j'exauce vos désirs, je peux tout accomplir.
trop chouette. Je vous en prie, asseyez-vous et dites à Madame Irma ce qu'elle peut faire pour vous. Je ne voudrais surtout pas vous vexer, mais si vous êtes si célèbre que vous le dites, pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vous? Non, vous ne me connaissez pas encore. Ces premières visites au bayou, mais très plaisantes, alors j'ai décidé de rester. C'est charmant ici aussi, très isolé. Pas de circulation, pas de brouillard, pas de policiers. Qu'est-ce qu'Irma peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites au juste? Je dis bonne aventure, chérie. C'est tout. Je vois boule de cristal, ligne dans la main. Je jette des sorts. J'ai prédit à venir. Toutes ces choses que font gitanes. Bon, décidez-vous, je n'ai pas toute la journée. Je ne sais pas. C'est Draduli. Revenez une autre fois. Vous savez que je m'appelle Draduli. Combien de fois il m'a répété? J'ai déjà dit, je vois tout, je sais tout. Voilà, donnez la main et je vais lire les lignes dedans. Voilà. Votre main toujours aussi gluante. Je n'ai jamais remarqué. C'est votre peau. Elle est partout plutôt poisseuse, n'est-ce pas? Oh, c'est gentil, merci. Je peux voir grâce aux lignes et aux dépôts visqueux sur main que vous vivez dans l'eau de la nuit. Je vois aussi beaucoup d'ennemis. Continuez, continuez. Ces ennemis sont incapables de reconnaître ce que vous êtes. Vous êtes... Quel est le mot que je cherche? Un génie. Oh, un génie, c'est ça. Vous êtes un génie. Ne soufflez pas. Un génie du mal, peut-être. Exactement. Un génie du mal qui ne reculera devant rien pour... Laissez-moi réfléchir. Répandre la terreur et la désolation d'un bout à l'autre du bayou. Oui, c'est ça. Comment avez-vous deviné? Oh, je ne devine pas. Je sais. Dire que je commençais à douter de moi, mais vous m'avez rendu confiance. Bien sûr, Madame Irma a un don et vous avez du génie. Oh. Oh, tous les deux, nous vibrons même diapason. Hein? Vous et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Ensemble, nous pourrions posséder ce marécage entier. C'est une riche idée. Mais par où commencer? Oh, fais confiance en mes pouvoirs magiques. Le maïs est dans l'huile, ça va éclater. Oui, c'est ça, ça va swinguer. Ça va swinguer, chouidoua. Un peu pour moi, un peu pour toi. Hey, vas-y, chauffe, cocotte. Tu satisfais mon appétit pour le popcorn et pour le blues. Chouidoua, papa, voilà pour moi et pour toi. Bravo. Vous aviez raison, c'est un endroit vraiment très charmant, oui. Après, petite rénovation sera parfait pour moi. Enfin, j'aurai cuisine digne de mes talents. Mais j'aménage bientôt. Il y a un tout petit pépin. Un pépin, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de cocotte, une minute. Avant d'y emménager, faudra les mettre dehors. Alors, c'est très simple, vous êtes génie du mal, inventez plan machiavélique. Ah ouais, le génie du mal. Quand? Bon, de suite. Hein? Maintenant? Là? Oh, je ne peux pas, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Et en plus, toute cette musique va me rendre fou. Mais c'est une mélodie très rythmée. Oui, mais pour inventer un plan, j'ai besoin de calme et de silence. Et puis, nous formons une équipe. Vous devriez m'aider à trouver. Oh, d'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? Réfléchissons. Oui. Vous, restez ici. Moi, restez ici. D'accord, bon. Nous formons une équipe. Tous pour un et un pour tous. Bonjour. Je suis Madame Irma, célèbre diseuse de bonne aventure. Une célèbre diseuse de bonne aventure? Bon sang! Mais c'est absolument fascinant! Vous êtes célèbre? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Bien sûr que non, pas encore. C'est première visite dans Bayou et j'aime tellement, j'ai décidé d'y rester. C'est très charmant ici, très isolé. Pas de circulation bruyante, pas de brouillard, pas de percepteur.
Alors, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans le bayou. Oh, merci. Vous êtes trop aimable. Vous avez charmant petite maison. Oh, je vous remercie. Je vois que vous avez un goût raffiné. Oh, vous êtes aussi fine cuisinière. Ce pop-corn a un arôme particulièrement délicieux. Oh, assez bavardé. Je suis venu vous offrir de lire les lignes de votre rima gratuitement. Quoi? Minute, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Je ne dis pas que vous êtes un cheval. Ce que je veux dire, c'est que... Je comprends très bien. Montrez-moi votre main. Madame Irma, c'est tout. Vois tout. Oh, mes enfants. Je suis désolé. Mais qu'y a-t-il? Vous devez quitter cette maison. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quitter ma maison? Mais nous sommes très heureux ici. Les jours heureux sont terminés. Je les vois dans les étoiles. Mais vous regardiez dans sa main. C'est du pareil au même. Écoutez-moi bien. Sans ces toits, vous ne connaîtrez plus que des grands chagrins et immenses douleurs. Bon, au revoir. C'était un plaisir. M'arrive. Cette gitane m'a retourné les sangs. Oh, je ne crois pas un mot de ce qu'elle a dit. Tu ne devrais pas y croire non plus. Oh, nous sommes heureux ici depuis bien des années. Que pourrait-il nous arriver maintenant? Tu as peut-être raison. J'ai peut-être raison. Je sais que j'ai raison. Maintenant, oublions cette aventurière à turban et mangeons notre pop-corn, Cocotte. Oh, tout de suite. Ouais, passe-moi le bol, Cocotte. C'est un pour tous. Et tous pour un. Reste planté là, tout seul, pendant qu'elle s'amuse à faire peur à tout le monde.